بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام إن شاء الله نزلنا aujourd'hui aborder un sujet très important الحمد لله qui concerne القرآن <تصالح> العظيم c'est-à-dire le la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, kelam Allah azza wa jall, non créé, qui est bédéa, et à Lui il revient en fin de temps. Ce Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, véritablement une parole incréée qu'Allah azza wa jall a donc révélée à l'humanité et qui à la fin des temps, eh bien, reviendra à Lui. Le Coran, vous savez, le prophète ali sur la paix et le salut, une invocation, le prophète ali sur la paix ce que ce Coran eh soit Finalement quelque chose qui l'accompagne au quotidien. Lorsqu'il disait Allahumma ja'al al Quran al azim rabi'a qulubina »« Oh Allah fait que ce Coran, eh bien soit le printemps de nos cœurs. sodourina et qu'il soit la lumière de nos poitrines. Vous savez wa et que ce soit le moyen, eh bien d'enlever de retirer nos tristesses. Wa et qu'il soit le moyen eh bien, de faire échapper en fait, à nos tristesses et, et de faire échapper aussi de nos cœurs les soucis et l'angoisse. Parce que le Coran, il est une guidance. Ce Coran, il est une guérison de ce que contient les poitrines. C'est pour cela que Allah il nous rappelle cela

et venu à vous, eh bien, une exhortation, qui est le Coran. Parce que le Coran, wa 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 furqan, C'est tout cela le Coran, c'est une clairvoyance, c'est une science, c'est une, une exhortation, un rappel, N'est-ce pas Il est un appel à la clairvoyance. Et donc une exhortation pour toute personne qui souhaite se repentir. Et donc Allah nous dit ce Coran. Eh bien, il est venu comme une exhortation, mais surtout comme une guérison pour ce que contient les poitrines. Donc, cela veut dire que nos cœurs peuvent être atteints par des maladies. Mais ces maladies-là, ce ne sont pas les maladies cardiaques, ce sont les maladies يعني, amara Ces maladies du cœur qui peuvent être touchées par les passions, par les désirs, par les formes d'égarement, toutes ces choses-là qui nous éloignent d'Allah. Et c'est pour cela que Allah nous dit qu'à l'appel du Coran, Houda, c'est une guidance, et qu'il est aussi une guérison pour ce que contient les poitrines. Quand Allah nous rappelle le Coran, le fait que ce Coran est une guérison, et que dans cette A que nous nous avons rappelée, nous comprenons que le prophète, vous demandez à Allah que ce Coran soit justement le moyen de la guérison spirituelle, de la guidance des cœurs. Grâce à ce Coran, si tu le médites, ce Coran, si tu l'analyses, ce Coran, si tu le récites, tu es proche du Coran tous les jours, et bien celui-ci devient pour toi le moyen de ton bonheur interne, intérieur, dans ton cœur. C'est pour ça que le prophète disait lui-même, Ce Coran, il est la corde d'Allah Il est la corde d'Allah Azawajal. Il la corde Il est la corde quelle est la signification Quelle est l'image que le professeur t'a donnée L'image c'est que ce Coran, il est la corde qui relie, et eh bien justement, qui te relie de, de, du ciel jusqu'à jusqu toi, des cieux jusqu'à la terre. Le Coran, hablallah, il a cette signification. Comme quand Allah te dit, qu'est-ce qu'il a utilisé Allah fait qu'il dans son livre. Quand il a parlé de l'union, soyez tous unis. Soyez tous autour de quoi Du câble de Dieu, du câble d'Allah Azzawajal, Habl Allah. Habl Allah, qu'est-ce qu'ils te disent Habl Allah, le Coran, le Sunnah. Donc c'est le fait de t'attacher au Coran, de t'attacher à la tradition prophétique. C'est le câble d'Allah ta'ala Mais grâce à cela, tu comprends pas Walladina, il m'a secouna bil kitab, wa aqamu salam c'est à dire que ce Coran comme quand Allah te dit est certes ceux qui s'attachent regarde bien l'expression qui s'attachent, qui se, qui se rattachent, qui se raccorde au livre donc Al-Quran qui accomplissent la prière certes Allah ne fait jamais perdre la récompense de ceux qui sont yani muslih, des réformateurs de ceux qui veulent réformer, de ceux qui font en sorte de réformer les cœurs et c'est pour ça que encore, le professeur te disait une chose extraordinaire, tu disais « abshiro » c'est la bonne nouvelle. « muhammad ibn wa » C'est la, la bonne nouvelle qu'Allah a voulu exprimer par la langue eh bien, de son prophète quand il a transmis cette information. Il nous dit « abshiro »« soyez heureux » il y professeur qui te disent cela. « soyez heureux »« prenez la bonne nouvelle »« fa ina hadha al quran al-adhim » Il disait prenez la bonne nouvelle, prenez la bonne, la bonne annonce que ce livre-là, ce Coran-là, le Coran-là, eh bien, il, te, il est une relation, il est une, tu vois, donc un rattachement entre ce qu'il y a entre les mains dans l'azwajal et vos mains, quand vous, vous prenez le Qur'an. Et il disait, celui qui s'y accroche, celui qui va s'y attacher, eh bien, ne sera jamais perdu, ou bien ne sera jamais égaré. Tu vois À travers cela, après cela, tu ne pourras jamais, même si tu, bien sûr, il y a des formes d'égarement possibles, même si tu peux te perdre dans ce bas monde, mais cela est dû à quoi finalement Si moi, quand je suis croyant, si moi, quand je suis musulman, eh bien, je ne trouve pas la guidance, dans le Quran. Si moi je ne trouve pas l'orientation dans le Coran, comment se fait-il que je puisse me perdre Comment se fait-il que je puisse m'éloigner du chemin d'Allah Parce que justement, je n'en suis pas revenu à la méditation, Coran. Le Coran, c'est parce que les te disaient, « al, -qalb, al Ce qui va permettre que le cœur il vive, que le cœur il découvre la vérité, et bien ça va être à travers la méditation du Coran. من احد العلماء كاسكيتو المتقدمين باميس سو يعني من اعظام ما يقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى من النوافل كثره تلاوه القران وسماعه يعني وتفكر وتفهم يعني القران العظيم. لان دي Pour l'adorateur d'Allah subhanahu wa taala de pouvoir se rapprocher de son Seigneur, l'un des plus grands moyens qui lui permettent de se rapprocher de son Seigneur, eh bien, c'est le fait qu'il va multiplier la lecture du Coran avec le fait de l'écouter, le fait de le réciter, mais surtout avec des conditions, le fait de le méditer, de le réfléchir et de le comprendre. C'est cela qui t'apporte. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que quand tu lis le Coran si tu lis le Coran par lecture, tu lis le Coran, tu le lis, tu prends, alhamdoulilah, des, des hasanats, bien sûr. Alif, lam, des choses comme ça que tu récites, de, yani de, des lettres du Coran, tu prends des hasanats. Mais cela n'est pas le moyen d'être vraiment guidé, de comprendre la profondeur du Coran. Puisque Allah te dit que le Coran, il doit être médité. Tu vois Est-ce qu'ils ne méditent pas ce Coran ou bien est-ce qu'ils ont des cœurs cadenassés donc Allah t'appelle à quoi À méditer le Qur'an. Pourquoi est-ce qu'il ne médite pas le Qur'an Donc le Qur'an, il est là pourquoi Pour que tu réfléchisses et que tu cherches à comprendre qu'est-ce que Allah essaie de te dire, de te faire comprendre. Le Qur'an, pourquoi est-ce qu'il est un miracle Pourquoi est-ce que le Qur'an est un miracle Parce que ce Qur'an, tu vois qu'il a traversé des siècles. Quel Qur'an Parmi les prophètes et les envoyés, tous les prophètes ont perdu leur miracle en mourant. En quittant leur peuple, en quittant ce bas-monde, ils sont partis avec leur miracle. Mais le Coran est le seul miracle qui est resté après la mort du prophète. Pourquoi Parce que le Coran devait être un miracle pour les mondes. Parce que le Coran devait perdurer jusqu'à la fin des temps. Mais pour qu'il perdure ce miracle, il faut qu'il soit intemporel. Le Coran, il est intemporel. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire en tout temps, en tout lieu, et pour tout peuple et toute communauté, il trouvera dans le Coran... La réponse qu'il lui faut, subhanallah. Simplement, des, euh, ceux qui nous ont précédés parmi les pieux, qu'est-ce qu'ils disaient Ils disaient, « Kham tutra yani, »« Ayat al-Qur'an »« Ou mais combien de versets de, du Coran nous sont récités Mais nos cœurs sont aussi durs que la pierre, voire plus durs encore. Parce que ton cœur, il ne se prédispose pas au Coran. Pourquoi est-ce que tu vois quelqu'un qui va réciter le Coran et en même temps, qui récite le Coran, ou qui connaît le Coran, il peut avoir un comportement contradictoire, un comportement blâmable. Il peut faire dans sa vie le contraire de ce qu'il sait du Coran. Parce que le Coran n'est qu'une lecture, mais n'est pas une méditation. Tu ne médites pas le Coran, tu ne cherches pas à comprendre ce que Allah a fait là c'est te dire. Tu vois, quand Allah tu dis, nous vous avons, nous t'avons révélé un livre, Allah dit, il l'a appelé comment aussi Tibian, qui est une explication à toutes choses. T'imagines Tibian kolishay. Bahoudan, il est une explication à toutes les choses. Alors les ulamas, subhanallah, parmi tous les siècles passés, ils ont réfléchi expliqué comment Allah dit, Tibian et « kolishay. Il explique toutes choses. Mais expliquer toutes choses, quand tu utilises ce terme, ça veut dire beaucoup de choses. Si tu dis par exemple, ce livre-là que tu as entre les mains, toutes tes questions-là, tout ce que tu veux savoir, eh bien, tu vas y trouver la réponse. Il est une explication à toute chose. C'est que cela veut dire que n'importe quelle question ou interrogation que je pourrais me poser, je vais y trouver la réponse. Il explique toute chose. Il est une guidance, une miséricorde. Et une bonne nouvelle pour ceux qui se soumettent Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons une anecdote comme ça ahmed al-ulama qui nous raconte une anecdote comme cela qui nous dit qu'une fois il y avait en Europe un grand alim qui était dans, dans un restaurant et il s'est retrouvé dans le restaurant aussi avec un alim un savant un rabbin parmi donc la communauté euh, juive et donc il est parti voir ce alim parce qu'il l'avait reconnu il était marouf il était connu et donc il est parti le voir et il lui a dit ya alim il l'a salué ils ont discuté j'ai une question à te poser qui me, qui me taraude, qui me... depuis longtemps que je voulais poser. Donc, je suis content de te voir. J'ai une question à te poser. Et le alim lui dit, marhaba, tu es le bienvenu, pose-moi ta question. Et il lui dit, yani fiktab, comme dans votre livre, Allah Azza wa Jal dit, al n'est-ce pas, tibiyan, les il est une explication à toute chose. Donc, j'aimerais que tu me donnes la réponse alors sur une chose. Puisqu'on peut trouver toutes les réponses, explique-moi, parce que le chir était en train de manger une salade. Eh bien, comment Allah, dans le Quran, il explique comment faire la salade Est-ce que tu as la réponse dans le Quran Et le chir, il lui répond Naam. Alhamdulillah, dans, dans le livre, il y a la, il y a la réponse. Et il s'étonne, il lui dit Subhanallah, il y a la réponse pour cela. Il fait Bien sûr, il y a la réponse. Qu'est-ce que fait le, le alim Il dit Ne bouge pas. Et il appelle le cuisinier. Il vient, il lui dit Explique-moi comment tu as composé cette salade Le cuisinier lui dit, voilà, j'ai fait ceci, je fais cela, j'ai ramené ceci, j'ai ramené cela. Il lui dit, voilà, la réponse est là. Puisqu'Allah dit la fiola en Qur'an, il nous dit quoi la Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, il m'a indiqué comment faire pour avoir la réponse. Tu vois mmh. Eh bien, c'est comme ça, là que tu comprends le Qur'an. cest que le ce n'est pas que tu as des fois la réponse directe mais il va te donner les orientations te permettant de trouver la réponse et c'est comme ça que tu comprends pourquoi Allah jalal t'a donné tant d'importance à ce livre pourquoi il est un miracle certains ulama disaient même subhanallah min kbar les ulama disaient les gens t'aribou tar, yani anhum maani al-Qur'an inda al -Hawadid. il disait les gens eh bien, ils sont absents, ils, se, ils sont détournés eh bien, de, de, de la réflexion du Coran lorsqu'il y a des événements qui se passent. Lorsqu'il y a des choses qui se passent dans leur vie, eh bien, ils sont absents pour faire la liaison entre ce qu'ils savent du Coran ou ce qu'il y a du Coran avec ce qui vient de se passer. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit Il dit Fa'ida, dakaru biha, Mais lorsque tu leur rappelles, regarde, tu vois cet événement-là, eh bien, nous rappelle dans le Coran telle ou telle chose. Eh bien, souvent après, eh bien, il revient à la raison, il dit c'est vrai on pourrait le comprendre comme cela. C'est vrai. Et combien de fois, subhanallah, on voit des choses qui se passent Et quand on peut trouver cela dans le Coran, quand Allah nous dit, par exemple, la division, ou ceci, ou tel événement, ou telle situation, ou telle gravité de choses qui se passent dans le monde, eh bien, tu peux trouver une information, directe ou indirecte. Pourquoi Parce que tu l'auras médité au Coran. Et c'est pour cela, subhanallah, que disait Abdullah bin -Saud, al -Kibar al parmi les grands compagnons. Qu'est-ce qu'il disait Il disait. Vous savez, les cœurs, il disait, ce sont comme des récipients. Les cœurs sont comme des récipients. Il disait, remplissez vos cœurs du Coran, mais ne les remplissez pas d'autre chose. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que cela veut dire, je ne fais plus rien dans ma vie, je m'intéresse à plus rien, je ne travaille plus je ne fais pas d'autres études, juste je m'occupe du Coran. Non, parce que le Coran, il t'accompagne dans tout ce que tu fais, même dans le travail et dans l'école. Par exemple, si tu, tu, tu as des, bo des, des, bons, des bons diplômes, si tu es un bon travailleur à l'école, si tu as des bonnes notes, le Coran, est t'encourage à cela. Puisque Allah, dans le Coran, il valorise la science. Allah valorise la recherche de la science. Allah valorise le fait que tu sois quelqu'un qui médite et qui réfléchisse. Jusqu'à même eh ben, la création des cieux de la terre. Allah il te dit, ceux qui réfléchissent, allongés, comme on l'a déjà rappelé, allongés debout assis, ils se rappellent, tu vois, la création des cieux de la terre. Donc ce n'est pas de la religion directe. C'est que tu analyses, le soleil, la lune, euh, donc la nuit, le jour. Donc ce n'est pas de la religion à proprement parler, mais elle' tafakkur wal donc le fait de réfléchir aux versets coraniques et de réfléchir aux, aux preuves cosmiques, eh bien cela est une adoration et une réflexion coranique qu'Allah t'encourage. Et c'est pour cela que le professeur a donc dit que le Coran « c'est une lumière » éclairante c'est un c'est la droiture qu'Allah جل فيعله a donnée. c'est pour ça que dans sur le qabara baqara Allah جل فيعله al alkitab يعني le Coran alazim kitab alkitab la rayba fi hudan lilmuttaqin mais tu as toujours des conditions c'est ça qui est important tu as toujours des conditions c'est que Allah عز te dit que ce livre c'est un livre sur lequel la rayba fi yani la شك فيه fi hadha al alazim c'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute regarde un peu aucun doute mais il est une guidance bien sûr pour les gens mais Allah te dit Il est une guidante pour, ceux, pour qui? Pour celui qui craint Allah. Donc celui qui va méditer et craindre Allah va trouver dans le Coran la guidance, l'orientation, le bonheur du cœur. Tu vois le printemps, tu vois du cœur, la lumière dans le cœur, la guidance parce que lui va craindre Allah rasbudil. Puisqu'à taqwa, quand tu t'en rappelles à chaque fois Allah à taqwa, il l'a toujours mentionné pour le fait que c'est une chose que tu vas attendre allah la ta par rapport à ramadan, par rapport au Coran, par rapport à taqwa. wa craignez wa Allah, Allah Allah va vous enseigner furqana si vous craignez Allah Allah va vous accorder al furqan, mais al furqan c'est quoi? c'est le discernement al furqan bayna al tu vas voir la différence entre le bien et le mal, le vrai et le faux, tout cela à cause, grâce à quoi? grâce à la piété. Donc quoi c'est la base, c'est le fondement. Ce à quoi eh bien, tu vas pouvoir méditer et comprendre al-Quran. Al-Quran, yani, si toi tu l'appliques dans ta vie tous les jours, le matin tu l'es un petit peu, le soir tu l'es un petit peu, tu essaies de te concentrer. Ne serait-ce des fois, quand on, souvent le conseil aux jeunes, les jeunes des fois ils pensent que le Quran, il faut s'asseoir dans un coin, il ne faut, il faut pas avoir de dérangement, il faut qu'il ait du temps libre, il ne faut pas qu'il ait d'autres choses à faire, pas d'occupation pour se concentrer pour le Non. Le matin... Lève-toi, prends un verset de Qur'an. Prends un verset de Qur'an et médite-le. Prends un verset et dans ta journée, tu vas te dire tiens, je vais réfléchir sur le sens de ce verset. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelles conditions, par exemple, ce verset aurait été révélé. Et pourquoi Allah a utilisé tel ou tel terme, ce qu'on appelle Ma'ani al-Qur'an, le sens profond qui est cherché à travers le verset du Qur'an. Vous savez, un grand savant, qui s'appelait Ibn, Samia, -Islam, Ibn Samia, Ce savant, à la fin de sa vie, il avait vécu des situations très très difficiles. Au point qu'on l'avait même privé, de par le fait de la situation à l'époque dans laquelle il se trouvait, d'écrire des livres, on l'avait privé de, de, de feuilles, d'écriture, des choses comme cela. Et donc, du coup, par le fait qu'on l'avait privé de tout cela et de sa liberté, et bien il s'est concentré à la lecture du Qur'an et à méditer et à réciter le Qur'an. Au point qu'il lisait en trois jours, quatre jours. Eh bien, euh, des fois, trois fois ou quatre fois le Qur'an en entier, en trois, quatre jours. Et ensuite, il a tellement, tellement lu cela en essayant de le méditer qu'il dit lui-même, lui-même il dit, « Nadimtu ma'ani al-Qur'an Lui-même lui il dit, « Je regrette de tout le temps que j'ai passé dans ma vie à ne pas l'utiliser à méditer le Qur'an comme je le médite maintenant. » ce grand savant, qui déjà dans sa vie a marqué l'histoire par ses recherches, par sa science, par tout cela, et bien à la fin de sa vie encore, Quand, quand on pourrait se dire qu'il est déjà arrivé à un certain sommet, à une certaine compréhension de l'islam, et pourtant, il dit à la fin de sa vie, il fait partie de ceux qui disent à la fin de leur vie, Eh bien moi, si j'avais pas gâché mon temps dans le fait d'autre chose que la Méditation au Qur'an, je n'aurais fait que cela, je n'aurais médité que à le Qur'an. Pour dire à quel point le Qur'an, finalement, il nous amène à une réflexion. Comment est-ce que nous aujourd'hui, on n'est pas heureux avec le Coran Comment nous aujourd'hui, on ne trouve pas nos réponses, notre bonheur dans le Coran Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le Quran, il ne nous anime pas Vous avez des jeunes aujourd'hui, ils aiment tellement les mangas, les choses comme cela, que certains ils parlent même euh, japonais ou, ou chinois, là, parce qu'ils imitent, imitent les voix. Hein, on l'entend tous, les, ils arrivent à, à découvrir, ils disent des, des mots, des trucs et tout, mais parce qu'ils aiment tellement ces trucs-là, ils, ils sont tellement attachés à ces choses-là qu'ils en, ils en apprennent naturellement des choses. Et bien c'est parce qu'en fait ils ne sont pas arrivés au même niveau pour le Qur'an, parce qu'ils n'ont pas compris, comme beaucoup d'adultes aussi, on n'a pas compris le but du Qur'an. Pourquoi est-ce que le Qur'an, quand tu vas le méditer, le réfléchir, il va répondre à tout ce dont tu as besoin, dans ta vie, dans tes problèmes, dans ton travail, dans ton école, dans ta relation chez toi dans, ta, dans, ton, dans ton domicile. Il va te dire comment agir, comment faire. Parce que Allah te l'a dit muslimin Donc cela veut dire automatiquement j'ai une guidance. Allah me dit c'est une guidance. Allah me dit c'est une guérison. Allah me dit Pour ça qu'Allah te dit Dis que certes, celui-ci, Al-Qur'an, il est pour ceux qui ont la foi. Il y a des conditions aussi. Tu vois, ceux qui ont la foi en Allah et en ses prophètes. Eh bien, Allah te dit, Shifa wa Huda. Il va trouver une guérison et il va trouver une droiture. Tu vois Comme quand Allah te dit, qu'il. Nous avons facilité le Quran pour le rappel. Tu vois Pour le rappel. Pour que la personne puisse s'en rappeler. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour le méditer Il y a les yatabar. Nous avons facilité le quran afin que celui-ci soit facilement lu, afin que la personne puisse le lire, le mémoriser et comprendre ses sens. Pour celui qui recherche le rappel, pour celui qui cherche à tirer des bonnes leçons. Parce que le te dit Regardez ce verset. Nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Toi quand ceux qui pensent que quand tu vas suivre ad-din la religion ou que tu vas te concentrer sur le Coran, tu vas devenir malheureux. Pourquoi Parce que tu vas t'arrêter, tu vas t'arrêter tous tes plaisirs. Tu vas plus rigoler, tu vas tu vas plus sortir, tu, vas, tu dois plus avoir d'humour. Toi, c'est l'absence. C'est pas vrai, c'est tout le contraire. Allah dit "Le Coran il n'a pas été révélé pour que tu sois malheureux, mais le Coran, il a été révélé pour qu'il soit un rappel pour celui qui craint Allah, parce que grâce au Coran, c'est là que tu vas fixer tes limites. Le Coran, avec la parole d'Allah, dans ta vie. Et regardez une parole qui est magnifique aussi que j'ai d'un des, des compagnons qui disait justement par rapport à cela, il disait une chose très importante. Il disait, harf si Allah avait donné la possibilité à une personne, à un adorateur, de méditer pour chaque verset, de tirer pour chaque verset mille leçons, il n'arriverait pas à atteindre la finalité encore des leçons à tirer. Si pour chaque verset, Allah avait donné à un adorateur mille leçons qu'il peut tirer d'une lettre, de chaque lettre du Quran, il tire mille leçons, eh bien, il n'arriverait pas à la finalité de comprendre le quran Parce que le Roulema disait, le quran finalement, en l'imaginant, il disait, c'est comme la mer, le bahr Tu as l'écume de la mer, tu vois, tu as l'écume de la mer que tu vois, n'est-ce pas Le quran tu le vois comme l'écume de la mer qui est énorme. Mais tu ne peux pas atteindre les profondeurs de la mer encore, et les ténèbres même de la mer, qui sont quoi Les sens cachés du Quran. Et c'est pour ça que le quran depuis 15 siècles, les savants n'ont pas cessé de le comprendre, de le méditer, d'en tirer des leçons, d'essayer de donner des orientations, de l'expliquer le, de encore, tu vois, de le réadapter, de le contextualiser aussi, en se basant sur les références. Tu vois. Parce que le Coran, il est là le miracle. Le miracle du Coran, il est le fait que c'est un livre intemporel. À la différence de tout le reste, Moussa, son bâton qui se transformait est parti avec lui. Et Salam, le fait qu'il guérisse le lépreux, qu'il fasse revivre le mort, qu'il... Yani, euh, parle du berceau, tout cela et tout, et c'est parti avec lui. N'est-ce pas euh, Tous les prophètes en général qui avaient la capacité de faire des miracles en leur temps et en leur peuple, pour leur peuple, sont partis avec leur miracle. Mais le seul miracle qui est resté après une prophétie, c'est le Qur'an, la parole d'Allah, parce que ce Qur'an, il est venu fermer la porte de la révélation. Il est venu fermer eh bien, le fait qu'il n'y aura plus de révélation après, que cela maintenant sera le dernier livre jusqu'à la fin des temps. Vous savez que le Qur'an, à la fin des temps, Allah va reprendre le Qur'an. Il va le remonter vers lui, comme c'est mentionné fait dans les hadiths authentiques. Au point même qu'un matin, cela fait partie, mais c'est al parmi les grands signes de la fin des temps. C'est-à-dire que un matin, les gens se lèveront et il n'y aura plus de Qur'an. Ceux qui avaient mémorisé le Qur'an l'auront oublié. Et ceux qui vont ouvrir le Qur'an, les pages seront blanches. Allah récupérera le Qur'an et il le fera revenir vers lui à la fin des temps. Donc cela pour dire quoi Pour dire que le Qur'an al Allah a décidé de le protéger jusqu'à la fin, qu'il le décidera lui. Mais le musulman, le mumin il doit méditer sur al Qur'an al-Azim et comprendre que le Qur'an que le Coran, il fait revivre les cœurs comme la terre, bien revit par le fait de l'eau qui vient tomber sur elle. Tu vois Comme disait Ahmed al ulama aussi, il disait quoi Il disait « Kaffa billahi muhibban »« Wa bil Qur'ani mu'nissan » Il disait Allah subhanahu wa ta'ala Doit être celui que tu aimes le plus Al-Qur'an Celui avec lequel tu as le plus de rapprochement Qui te permet aussi d'être rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala Comme il disait aussi Fais de la mort une exhortation pour toi C'est à dire Prends Allah comme compagnon Dans le fait du rappel spirituel Et ne sois pas Mélanger entre guillemets des fois t'isoler des gens, eh bien, t'apportera aussi du bien dans la réflexion. Quand des fois tu sais tu es toujours avec les gens, toujours en train de euh, tu vois, tu es tout le temps avec eux, tu avec eux, tu parles, tu parles, des fois tu oublies subhanallah tout ce que tu peux tirer comme bien, tu vois, tout le bénéfice que tu peux tirer dans le rappel d'Allah jalalou. C'est pour ça que subhanallah certains pieux quand euh, un d'entre eux venait les visiter, il y avait trois personnes qui venaient visiter un pieu chez lui, qu'est-ce qu'il disait lui quand les gens devaient repartir de chez eux, de chez lui, il disait "Lorsque vous retournez chez vous, repartez séparément, chacun" Indépendamment. Et au début, pourquoi Parce que quand vous repartez ensemble, vous allez discuter. Mais si chacun part individuellement, il pourra réciter des versets et les méditer. Tu vois, subhanallah. Regarde, adab. Comment ils étaient, le comportement, la morale qu'ils avaient subhanallah, ils perdaient pas d'honneur, du honneur, tu vois, ils perdaient pas le fait de tout le temps euh subhanallah dans le rappel d'Allah جل وعلا, d'être dans le fait qu'Allah عز وجل t'a accordé cela. Al-Quran, law anzalna hadha al-Quran 'ala jabali la ra'aytahu khashian mutasaddidan min khashyati Allah. Wa tilka amthal nabrih lilnas la'allahum yatafakkarun. Tu vois, quand Allah جل وعلا te donne cette métaphore, ce n'est pas pour rien. Tu vois, quand Allah جل وعلا te dit dans le Quran il te donne une métaphore. Il te dit, si nous avions fait descendre ce Coran, le Coran que tu lis, le Coran que tu médites, le Coran que tu apprends, il dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu cette montagne se pulvériser par crainte d'Allah. Tu aurais vu cette montagne s'humilier, se pulvériser par crainte d'Allah. Mais pourquoi Allah nous dit cette métaphore Il nous dit, et nous donnons des exemples et des métaphores pour les gens, afin qu'ils réfléchissent. Il médite et qu'il réfléchisse. Donc Allah Jalalifa là, il te donne des, il y en a des exemples, des paroles comme cela. Pourquoi Il y en a pour que tu puisses prendre cela et réfléchir sur le Coran. Si les montagnes. Pourquoi Allah a donné l'exemple des montagnes Pourquoi n'a-t-il pas dit nous, je, je, si nous avions fait descendre sur le Quran, sur la mer Si nous avions fait descendre sur le Quran, en dehors de la Terre, dans l'espace Pourquoi les montagnes Parce que les montagnes... Constitue l'équilibre de la Terre. Vous savez que les montagnes, scientifiquement parlant, eh bien on sait que comment -ce qu elles sont placées sur la Terre, elles permettent l'équilibre terrestre. Et que si ces, ces montagnes n'y avaient plus sur la Terre, il y aurait un déséquilibre d'organisation, cosmique. On pourrait plus euh, euh, vivre comme on vit là. Et en plus de cela, les montagnes sont connues pour être la chose la plus puissante, parce que la montagne n'est pas simplement impressionnante. Extérieurement, elle est ancrée, aussi dans la terre, subhanallah. Elle est ancrée dans la terre. Et donc, quand tu sais que cette montagne énorme soit-elle, si le Quran était descendu dessus, elle se serait pulvérisée par crainte d'Allah. Allah, il envoie un message pour te dire regarde ton cœur qui ne craint pas Allah. Regarde ton cœur qui lit le Quran et qui ne réagit pas. Regarde ton cœur qui peut mémoriser des ayat et qui ne les médite pas. Alors que ce même Coran descendu sur une montagne, la, support, la montagne ne l'aurait pas supporté. Et toi, tu le supportes avec tes péchés et ta négligence, subhanallah. Pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui vont méditer, comprendre le pourquoi, pourquoi Allah te, te donne autant de valeur. Et celui, alhamdoulilah, pour terminer, ibadallah, celui qui, inchallah va faire en sorte d'avoir un programme, de se dire comment réfléchir les versets coraniques, de réfléchir sur la telle fâtiha, alhamdoulilah, ya rabbil alameen, ar-rahman, ya rahim, al de réfléchir à ces versets qui ont une importance fondamentale, puisqu'ils constituent la mère du livre. Oma al-Qur'an, la mère du livre. Pourquoi la mère du livre Parce que dans ces versets-là, tu as l'essentiel, ar-rabubiyya, le fait qu'Allah Jelīfūllā détient la royauté, qu'Allah Jelīfūllā est le seul à mériter l'adoration, tu vois? Que à travers cette 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 surah, la Fatiha c'est la plus grande des invocations. Yani, afad al-ibadat, al-badaniyah, as-salat, thumma yani al-qara'a, thumma al-dikra wa thumma al-dikra Parce que la plus grande, vous savez, les plus grands actes d'adoration, corporels corporels eh bien, la première de ces, de, de, de ces grandes adorations, c'est la prière. Ensuite, c'est quoi C'est la lecture du Coran. Et ensuite, il y a eh bien, les, 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 les rappels et enfin les invocations. Et donc, cette dua qu'on a dit au début, pourquoi Parce que cette dua, elle constitue aussi une adoration en soi. Quand tu invoques Allah, quand tu implores Allah, et surtout quand tu veux parler à Allah, lis le quran Quand tu veux que Allah te parle, lis le quran c'est cela aussi que tu, tu dois réfléchir. Tu que quand tu lis Al-Qur'an, tu as des hasanates qui sont multipliés jusqu'à 700 fois pour une seule lettre, Alif, Oulam, Omim, que tu lis. Pourquoi autant de récompenses Pour là ton cœur et que tu sois motivé à te dire comment, là, je puisse me rapprocher encore plus d'Allah, taala. Bel quran al -Abbim. à travers le Coran qu'Allah m'a accordé, comment je peux l'appliquer dans ma vie Comment je peux faire que ce Coran-là, il va être le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine euh, l'évaporation euh, de, de mes tristesses, l'effacement, ou plutôt euh, le fait de, de faire partir eh bien mes, mes soucis et mes angoisses. sur un là, qui est le remède, Comment l'a dit la te le dit, simplement, vous savez, vous avez des gens des fois qui viennent voir qui disent oui, moi, je ne me sens pas bien pour ceci, j'aimerais bien avoir un remède, ou bien je cherche quelqu'un parce que voilà, euh, je sens des trucs bizarres, des choses comme cela. Mais là, le meilleur déjà des remèdes que tu peux étudier, toi. Que tu peux appliquer toi, c'est Al-Qur'an. Lis Al-Qur'an, Bil Ikhlas, avec sincérité. Essaie de lire Al-Qur'an, de l'appliquer tous les jours, SubhanAllah, et tu verras qu'Allah va t'ouvrir la poitrine, puisqu'Allah te garantit, que le Qur'an, qu'Allah, limafis l'Ima, qu'il est une guérison de ce que contient les poitrines. Les poitrines, c'est-à-dire par rapport à l'égarement, par rapport à la par rapport à la Shahawat, par rapport à l'égarement, les, les ambiguïtés, les passions. Il est une guérison à tout cela, SubhanAllah. Simplement, la seule différence entre le fait que toi, tu vas en profiter de celui qui, comme toi, va le lire, mais ne va pas en profiter, ça va, cela va se baser sur quoi Sur le fait de méditer et de réfléchir ces versets et والله أعلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والعمل والنية اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا واهدنا على الصراط المستقيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغد والسداد اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بارك الله فيكم غفر الله لي ولكم إن شاء الله votre patience إن شاء الله والسلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته